Hey les gens, c'est Azuzprod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau glitch qui vient de sortir il y a quelques jours. Et c'est pour moi le meilleur glitch au monde entier et de tout Minecraft. Car en fait, vous pourrez juste faire des commandes dans votre survie sans que les trophées et sans que l'option triche soit activée. Du coup, vous pourrez faire slash give 500 diamants et le jeu, enfin genre Minecraft, va pas détecter que vous trichez, que vous activez des commandes. C'est du coup vous pourrez avoir des survies carrément cheatées et en même temps avoir vos trophées plus facilement. Donc tout d'abord vous allez aller créer un nouveau monde ou aller dans un ancien monde. Donc moi là je vais créer un monde et je vais vous montrer que on est bien en survie et que l'option triche n'est pas activée. Donc voilà. Puis vous allez créer votre monde, un monde normal, genre comme si vous créez une survie normale quoi. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire que ce glitch ne vient pas de moi, ça vient d'un youtubeur anglophone dont je mettrai sa chaîne en description, comme ça vous irez vous abonner car c'est pas mon glitch et je l'ai juste traduit en français, comme ça ce glitch a plus de visibilité. Donc quand vous êtes dans votre jeu, vous allez cliquer sur le menu. Et quand vous êtes dans le menu, normalement, il y a votre pseudo avec une petite couronne à côté. Bon, moyennement, mais vous allez cliquer quand même. Et là, normalement, vous êtes censé être opérateur. Vous allez cliquer sur visiteur. Moi, je suis toujours visiteur, mais ne vous fiez pas à moi. Quand vous êtes visiteur, vous allez vous remettre en opérateur. Et là, ça vous met un message, genre définir opé avec commande de triche. Et en dessous, pareil. Vous allez cliquer sur celui d'en dessous, car celui d'en dessous, c'est définir opérateur sans activer l'option triche. Alors que genre le premier, c'est en activant l'option triche. Du coup, vous allez cliquer sur le deuxième qui est au-dessus du bouton annuler. Et quand vous aurez fait ça, vous allez retourner. Donc quand vous aurez fait ça, vous allez aller dans le chat et mettre la commande que vous voulez. Bon, moi j'ai mis slash give. Et quand vous avez mis slash give @s, le @s qui veut dire soi-même, mettez genre coller à slash give. En fait, vous faites une commande normale, mais quand il y a @s, vous le collez à slash give. Et les commandes où il n'y a pas @s, vous ne pourrez pas les exécuter à moins que vous faites slash execute et @s coller à execute. Bref, du coup, slash give @s. Moi je sais pas, je vais mettre Diamond, voilà, 64, et voilà, j'ai 64 diamants, et là je vais vous montrer que les trophées seront toujours activés, même si que je me suis fait give 64 diamants. Donc moi mon trophée c'est cuire du porc et le manger après, du coup on va faire slash give, je mets du bois à l'intérieur, hop. En même temps, si ça suffit pas, je vais couper plus de bois. Hop. Ah voilà, c'est bon, ça suffit. Hop, maintenant, on va attendre que j'ai faim. Ah voilà, c'est bon, j'ai faim. Je vais le manger et là, on va attendre que le trophée s'active. Alors, je suis désolé, mais en fait, on était censé voir le trophée que j'avais reçu. Mais en fait au final j'ai vu qu'au montage on le voyait pas, du coup bah je suis désolé, mais du coup si vous croyez toujours que c'est du fake, vous avez juste à tester le glitch, ça prend 2 minutes, puis essayez d'avoir un trophée, vous allez voir que le trophée, enfin que le glitch marche. C'était Emre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, puis liker. Ciao.